Bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la sœur Lily. J'espère que vous allez tous bien et que le Seigneur vous fortifie chacun de vous, fortifie chacun de vous là où il est. Voilà, je reviens encore auprès de vous pour partager un songe que le Seigneur m'a donné le 13 janvier 2023. C'est vraiment un songe court. Et j'ai pris longtemps à partager parce que j'étais en train de demander au Seigneur de me donner l'interprétation de ce songe. Donc voilà mes frères et sœurs dans le Seigneur. Dans le rêve, au fait, je me trouvais dans un endroit, c'était à l'extérieur. Et je marchais et je voyais autour de moi, il y avait plein de femmes. Et des femmes qui chantaient et louaient Dieu, en fait. La chanson qu'elles chantaient, je connais cette chanson, elles chantaient et louaient Dieu. Et je commençais à les observer et j'ai remarqué deux choses. La première chose que j'ai remarqué, elles portaient des vêtements de couleur flashy. Jaune, mauve, orange, des vêtements de couleur. Et la deuxième chose que j'ai remarqué, que leur visage, au fait, le visage de ces femmes était recouvert comme une sorte de peinture. Vous voyez comme, je vais essayer de vous expliquer, si vous comprenez ce que j'ai, afin que vous puissiez comprendre ce que j'ai vu. Donc, vous voyez les clones. Comment est-ce que les clones peignent leur visage? Voilà, les clones en général peignent leur visage en blanc. Mais les femmes là, toutes les femmes qui étaient là, qui priaient, qui glorifiaient Dieu, qui chantaient Jésus, leur visage était recouvert, tout le visage était recouvert de peintures de différentes couleurs. Jaune, mauve, rouge. Donc, je ne pouvais pas reconnaître leurs caractéristiques, quoi, leur visage. Tout le visage était recouvert. Et toutes ces femmes qui étaient là étaient comme ça. Et le rêve s'est arrêté. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur quelle est l'interprétation. Et la seule chose qu'il m'a révélée est que, au fait, il nous montre comment est-ce que quand nous portons quand nous portons les maquillages, les make-up à l'église et que nous louons Dieu, comment est-ce que dans le monde spirituel Dieu voit ses filles, Dieu voit ses enfants qui le louent, qui le chantent, qui l'adorent avec le make-up sur le visage. Mes sœurs, pour celles qui continuent à douter de ça, que Dieu regarde seulement l'intérieur, Dieu ne s'intéresse pas à l'extérieur et tout ça, je vous en supplie, mes sœurs, allez auprès du Seigneur, ne rejetez pas les témoignages, ne rejetez pas les messages. Le salut est individuel. Prenez ces messages, allez auprès du Seigneur, demandez-lui. Il va vous répondre. Demandez-lui, Seigneur, est-ce que le fait de porter des make-up, le fait de porter des pantalons, le fait de porter des perruques, des mèches, est-ce que cela te plaît? Il vous répondra, soit par un rêve, soit par une voix audible. Le Seigneur parle de différentes manières. Donc, vraiment, nous sommes à la fin de temps. Mes sœurs, je vous en supplie, ne perdez pas le temps. Parce que l'enlèvement est très proche. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment dommage. Après tous ces avertissements, après tous tes messages des sœurs, des frères à propos de toutes ces choses, que ce jour-là, vous ratez l'enlèvement ou que la mort vous trouve avant, vous arrivez à la porte du ciel et le Seigneur vous rejette à cause de ça. Vous regretterez et ça sera déjà trop tard. Donc voilà mes sœurs, mes frères, prenez ces messages, ces avertissements, allez auprès du Seigneur, demandez-lui et il vous répondra. Voilà mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le message que je voulais partager. Que Dieu vous garde tous et qu'il vous bénisse. Shalom.